Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr. Nous sommes devant le stand de Eagle Flight du côté de chez Ubisoft à la Paris Games Week. Je viens d'essayer Eagle Flight sur Oculus Rift. Il est déjà sorti, hein. Il est sorti le 18 octobre 2016 sur Oculus Rift. Il sortira sur d'autres plateformes par la suite, je vous dirai ça à la fin de mes impressions, qui sont plutôt positives. Eagle Flight en fait consiste à enfiler le casque pour vous prendre pour un aigle tout bêtement qui va évoluer au-dessus d'un pari. Qui a été un peu laissé à l'abandon, un pari dans lequel la nature a repris ses droits. Et on trouve plein d'animaux qui errent partout, des zèbres, des flamants roses, des poissons, des éléphants. Il y a vraiment de tout qui se balade. Et vous, bah, en tant qu'aigle, bah, vous vous amusez. Voilà. Et je me suis amusé comment? Et bah, j'ai fait trois petites épreuves du mode histoire. Je suis pas retourné dans le mode compétitif où on affronte d'autres joueurs, on se tire dessus, on a un bouclier de temps en temps, etc. Non, j'ai fait le mode histoire. Et donc j'ai fait trois petites épreuves du mode histoire. La première consistait à aller dans des anneaux pour prendre de la vitesse. Et évidemment il faut enchaîner les anneaux pour faire le meilleur score possible. On est noté sur 3 étoiles à la fin, hein. Et donc j'ai fait ceci, il y avait beaucoup de descentes, de montées, de petits virages assez compliqués à prendre. Et c'est là qu'Eagle Flight est assez malin justement. C'est qu'il ne vous propose pas de faire ça à la manette. Alors à la manette vous avez possibilité d'accélérer, décélérer, lancer votre projectile ou utiliser un bouclier. Et là, avec Eagle Flight, en fait, quand il y a un virage un peu serré à prendre, il ne faut pas utiliser le stick droit, il faut pencher la tête comme ceci. Alors, vous avez un peu l'air bête, hein, si vous avez regardé Le Cerveau une fois devant votre vie à la télé avec Jean-Paul Belmondo et Bourvil, bah, vous verrez que bon, c'est pas très drôle, mais voilà, mais ça marche. Donc, vous pouvez changer l'orientation en penchant la tête, et le reste, eh ben, c'est votre vue qui détermine l'endroit où vous voulez aller. C'est très simple d'utilisation, c'est très efficace, la sensation de vitesse est vraiment excellente, la réalisation est plutôt propre, c'est très coloré, très joli, très agréable vraiment à essayer ce Eagle Flight. Et donc dans le premier c'est juste ça, les anneaux, chose que j'ai réussi évidemment avec brio. Deuxième épreuve, il fallait cette fois ramasser des poissons qui bondissaient hors de l'eau pour réussir eh ben, à faire des points. Pareil, là je m'en suis plutôt bien sorti, mais c'était assez compliqué parce qu'il faut rester au bon niveau de l'eau. Il y a des moments où des ponts évidemment apparaissent ou d'autres obstacles, donc c'est un peu plus tendu pour réussir à bien enchaîner la récolte de poissons qui sortent de l'eau. Et puis la dernière mission qui m'avait été confiée, c'était d'affronter des vautours en fait qui se baladent un peu partout dans la ville et qui traînent notamment autour d'une grande roue et qui font exprès de passer dans la grande roue pour vous empêcher de les détruire. Là, comme je vous disais, le but c'est lancer un projectile et essayer de bien les avoir, mais c'est assez assez sympathique, on va dire, dans la précision. Il n'y a pas non plus une grosse précision qui est requise pour réussir à les avoir. Donc pareil, bien réussi, et c'était là que s'est arrêtée ma démo pour Eagle Flight, donc qui offre des bonnes sensations, qui offre une maniabilité qui va bien. Vraiment, le fait de décider où on va toujours tout droit fait qu'en plus, bah, aucune sensation de nausée. Regardez, je me sens en pleine forme, tout va bien. Donc Eagle Flight, qui est déjà disponible sur Oculus Rift et qui arrivera le 8 novembre 2016 sur PlayStation VR et le 20 décembre sur HTC Vive, et bah, c'est un jeu qu'il va falloir essayer, hein, parce que je crois que chez Ubisoft Montréal, ils ont compris un truc pour faire de Eagle Flight quelque chose de très agréable. Voilà, c'était une petite impression. Je vais aller en faire d'autres là très très vite. On se retrouve bientôt sur Gameblog. Ciao.